Donc bonjour tout le monde, je fais cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté sur My American Market. Donc je viens de recevoir mon colis, voilà. Je voulais partager ça avec vous, même si on ne se connaît pas, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai acheté plein de produits, mais je vais montrer ceux qui me plaisent le plus. Donc il y a ça qui me plaît énormément. Voilà. C'est le fluffy stuff. C'est de la bavard papa de toutes les couleurs, donc on va goûter ça. Je l'ai ouvert hein, tout à l'heure, comme ça j'ai pas à couper tout ça, ça va être chiant. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Vous voyez là normalement. Voilà, donc on va goûter le bleu. On va commenter chaque couleur bleu. Le bleu est excellent. Goût framboise, je crois. Je sais pas trop, mais c'est super. La fraise. La barbapasse, normal, mais super bonne aussi. Le vert. Qui me tentait pas trop tout à l'heure. Ouais, aussi, ça passe. On dirait à la menthe un peu. Ouais, je crois que c'est à la menthe. On va goûter le jaune aussi. Voilà le jeu. Il est là. Donc le jaune, il est pas bon du tout. C'est au citron, ça me plaît pas du tout le jaune. Donc si je devais donner une note, ça serait 9 sur 10 puisqu'il y a que le jaune qui me plaît pas. Donc voilà, on boit un petit coup comme ça, on enlève le goût pour passer à autre. Voilà. Donc là, j'ai acheté ça aussi. Ça s'appelle Nerds. Vous voyez, donc c'est des petits bonbons qui se mangent, voilà, ça fait même plein de bruit. Donc voilà, il faut faire gaffe parce qu'il y en a vraiment énormément, toutes les couleurs. Voilà, donc on va faire, voilà, donc c'est vraiment petit, mince, c'est vraiment petit et voilà. J'en ai fait tomber plein, mais c'est pas grave. Donc on va goûter. Pas d'acide du tout, très sucré, pas mal, mais c'est pas trop mon délire, les nerds, on va dire. Donc si je devais donner une note, ça serait oui, 7. C'est très très sucré quand même hein. Mais c'est assez bon quand même, pas très acide, mais si on en prend un par un, ouais, un peu quand même. Donc là on va goûter les Hawaiian Punch. Donc c'est des pâtes à mâcher, je crois, des trucs qui se mâchent, voilà. Très très long, qui ressemble un peu aux réglisses. Voilà, et c'est aux fruits. Parce qu'il y a plein de fruits, j'imagine. Donc ils sont tous rouges, hein. Faut pas s'attendre à grand chose, ils sont tous rouges. Donc voilà, c'est un peu humide quand on touche comme ça. C'est assez brillant, voilà. Il y a une odeur de vin rouge. Et le goût aussi. Pourtant, il n'y a pas de vin. Enfin, je crois. Je suis pas fan du tout. Ah, pas du tout, même. Si je devais donner une note, je donnerais vraiment à ça, je donnerais 5, 6 maximum. Ça me plaît vraiment pas. De produits que j'aime pas. Voilà. Mis de côté. Et donc là, on va goûter la fameuse viande séchée. Voilà. Donc, ça se livre avec un petit sachet. Voilà. Je crois que c'est du poivre. Voilà. Je crois que c'est du poivre. J'en ai aucune idée. C'est des petites boulettes. Donc, j'en ai mis à l'intérieur. Et ça pue. Ça sent vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer une petite partie parce que je crois pas que je vais manger tout ça, c'est vraiment pas bon, c'est pas bon. Donc c'est de la viande séchée, j'ai mis le poivre, bizarre. Donc on va prendre ce petit bout parce que je crois pas que je vais manger tout ça, c'est... pas bon. Vraiment pas bon quoi.
Le truc à pas tester du tout. Très sec. Bon, c'est déjà bien séché en même temps. Ça pique. Vraiment beaucoup. Donc, d'où les paiements ici, là. Et c'est industriel, ça se ressent, en tout cas, ça se sent. J'aime pas trop. Si je devais donner une note, ça serait 5, 6 aussi. Bon, deux produits que je n'aime pas, malheureusement, c'est pas grave. Et donc, il y a ça. J'en ai acheté plein. Ça avait l'air d'être bon. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble un peu à ça, voilà. Je crois que c'est des têtes brûlées. Je sais pas si c'est acide ou pas, mais ça a l'air bon. J'en ai acheté 5 ou 6 petits sacs. Donc voilà, on va en ouvrir un. Ah bah il est déjà ouvert. Voilà, ça ressemble à ça. Donc je l'ai pas encore mangé, je l'ai ouvert, mais il est pas encore mangé. Donc on va goûter. Excusez-moi. Ah, très bon. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça a le goût de la framboise. Comme le montre le couleur, on va dire ça comme ça. Framboise, pas trop sucré. Pas dur à mâcher. Moi, vraiment, il est pas mal du tout. Je crois que c'est mon préféré. En plus, ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte 1,99€, je crois. Ou un peu moins. Non, un peu moins même. J'en ai acheté 5 ou 6, ça m'a coûté même pas 2,99€. Je sais pas si c'est... Je sais plus trop pourquoi ça me coûte pas cher. Enfin, je sais plus. Et donc voilà. Et comme ils sont arrivés un peu en retard, la livraison est arrivée vraiment en retard, ben on m'a offert ça. Je sais plus trop ce que c'est. Ça, c'est une matière assez bizarre. Donc j'arrive vraiment pas à ouvrir ce truc. Et ça me tente pas non plus. Regardez, ça s'ouvre vraiment bizarrement. Et ça, il n'y a aucune odeur. C'est pas trop ce que c'est. Et c'est super dur à enlever le papier parce que... Je sais pas, c'est relou. Alors... Oh, c'est pas bon. Catastrophique. Mou. Ça mousse dans la bouche. Ça ressemble un peu à ça, mais en mille fois plus pas bon. Plus pas bon. Pas bon du tout, quoi. Non, j'aime pas. Non, je vous conseille pas. Donc voilà. J'ai fini cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a aidé à choisir ce que vous allez acheter. Donc qu'on finisse sur une bonne note. Sur ça. Et donc... Oula. Bon, on va essayer d'englober tout ça. Non, je rigole. Donc voilà. Merci, c'était super sympa.